la session s'est bien déroulée. Peut-être qu'on peut regretter le fait qu'on était un peu dans la chaleur. Mais malgré tout, comme on a décidé de décentraliser, on est obligé de faire face à toute cette difficulté-là. Mais nous, on est très heureux de pouvoir participer à cette activité. On est très satisfaits parce qu'on essaie de faire des efforts pour que la région puisse se relever. Ça, c'est évident. Hein? Donc, c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup d'autres travaux qu'on ne peut pas faire. Dans cette période, on a bénéficié un peu de l'apport de l'État qui avait un programme d'identification de tous les villages. Tout ça, ça nous a été très bénéfique. Et donc, je pense que c'est déjà bon. On participe à faire avancer. Et ceux qui viendront après feront encore avancer. Et donc, nous pensons que c'est quelque chose de bien. Et si vous avez constaté, on était vraiment en harmonie. Nous, ici, conseil, on ne parle pas de problèmes politiques. Parce qu'on a reçu une mission d'aller pour aider au développement de la région. Et donc, là où la politique sera, on fera la politique. Quand on vient ici, on parle de développement. Quand on n'est pas d'accord dans les commissions, on discute, on met en place tout ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent avoir développement et non désir. Une réunion qui consiste à valider le bilan et surtout à valider le programme pour la ISI prochaine, c'est-à-dire pour l'année 2023. Alors, il faut retenir pour l'essentiel que, en dehors des difficultés liées au choix des prestataires, le programme a été réalisé quasiment dans son intégralité. Du point de vue donc du fonctionnement, c'est vraiment des taux records que nous avons pu réaliser. Et au niveau également des travaux d'investissement, c'est-à-dire des écoles, des centres de santé, l'hydraulique humaine, etc. Là, nous sommes à un taux de 61% du point de vue donc de ce qui a pu être dépensé. Étant entendu que cela est dû à de nombreux facteurs, comme la lenteur dans la mise en œuvre par nos prestataires, c'est-à-dire ceux qui sont nos propres propriétaires, et également par le fait que souvent, ces personnes n'ont pas les ressources nécessaires pour anticiper les travaux. Donc, il y a des retards qui sont observés à cet endroit. Et puis, bien sûr, les procédures. Parce que pour faire un appel d'offres, cela ne se fait pas en 48 heures. Ça prend quelques mois et cela nous impacte effectivement nos résultats. Mais il faut dire que nous sommes dans une dynamique telle qu'aujourd'hui nous avons suffisamment d'expérience pour aussi bien dans la procédure d'exécution des travaux que nous sommes sereins quant à l'exécution, quant au programme de 2023. Il faut dire que Kasuasikro a bénéficié de nombreux projets d'une valeur de 1 milliard 300 millions depuis les 4 années. Et ça, c'est à saluer sur les 3 milliards, alors que nous sommes un petit département. Mais le président a toujours souhaité que nous soyons à un niveau qui soit quand même semblable au département qui compose la région. Et cela nous réjouit. Et même point d'ordre à la mise en œuvre du programme d'investissement, à la réalisation d'infrastructures au niveau du département de Kwasi-Kwasikro. Et ça nous réjouit et je voudrais le saluer pour ça. Par le passé, nous avions par exemple octroyé pour environ 100, 150 permis de conduire. Cette année, vous avez vu qu'on est arrivé à 500 et certainement on va arriver à 1000. Donc pour nous, c'est la jeunesse qui est d'abord concernée. Puisque la tranche d'âge qui est concernée par l'octroi des permis, c'est la tranche d'âge jusqu'à 35 ans. Donc ce sont les jeunes qui pour nous, en ayant ce permis, peuvent leur donner l'occasion d'accéder à certains emplois. Donc pour nous, c'est très important. Naturellement, il y a le programme actuellement en cours, le MPE, c'est-à-dire le programme de mise en place des petites entreprises, des micro-entreprises. Et ça, c'est également au niveau de la jeunesse, où le conseil a créé un fonds de garantie de 35 millions et l'État 100 millions pour permettre à nos jeunes de pouvoir créer des entreprises, pouvoir donc mener des activités génératives de revenus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Il va y avoir d'autres projets qui concernent la jeunesse et nous sommes sûrs que, en tout cas, nous ne faillirons pas. Comme on le dit souvent prosaïquement, on ne change pas une équipe qui gagne. Le président apprécie notre collaboration et c'est à juste titre qu'il a souhaité que nous puissions poursuivre ensemble en étant dans le bureau. Bien sûr, cela nous donne des responsabilités encore plus, puisque 2023 est une année électorale, donc nous avons certainement conduit les programmes de campagne, de pré-campagne au niveau de nos départements respectifs. Donc je pense que, aussi bien que c'est un honneur pour nous de toujours être à ses côtés, mais c'est aussi un challenge, un défi à relever que de porter sa voix vers nos populations dans les mois, dans les semaines à venir, et que tout le monde comprenne
et que le choix qui a été fait sur sa personne n'a pas été un choix.